Yo tout le monde, c'est Tiob. Ça fait du bien de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo donc Chrome de Total War. C'est l'épisode 18. Et on joue les Alains. Alors. C'était laissé avec. Oula, mais c'est qu'il y a du. Il y a du monde dans le coin. Tombuscade, ça marcherait pas là, par hasard. En plus, c'est moins difficile d'argent. Je ne sais plus ce que j'avais fait le tour d'avant, on va pas se mentir. D'accord, ça ne passe pas. Je me demande si j'avais pas fait exactement le même mouvement, genre la dernière fois. Juste que j'ai pas passé le tour. C'est une possibilité, hein. Est-ce que je chasse un peu là ce qui reste? Non, il y en a encore trop. J'aurai des pertes inutiles et je ne veux pas de pertes inutiles. Voyons, ah oui, je m'étais fait dégommer à Phasis. Non, c'est pas ça que je veux. Oui, effectivement, bon, j'avais pas passé le tour. Voilà. Ça reconstitue ça? J'espère que non. Ok, ça a l'air d'aller. Oui, on avait pris Pergamum, etc. Je sais pas. Ok. Au niveau des espions, etc. Toi, t'as déjà fait ton action. Très bien. Toi, bah, c'est une petite action. Tu me rapportes un tout petit peu d'argent quand tu réussis. Oui, bien. Voilà, je vais pouvoir finir mon tour sans avoir de pénalité. Là, est-ce qu'ils peuvent passer? Non, ils ne peuvent pas passer, c'est très très bien. On bloque l'ennemi. Bon, on va terminer le tour là-dessus. Hein. J'ai pas envie qu'ils m'attaquent ici en vrai. Aujourd'hui, les gars, grosse journée, un peu de flemme, je vais pas vous mentir. S'ils peuvent éviter d'attaquer, je vais pas me plaindre. Enfin, si je peux éviter de jouer, pardon, une bataille en manuel, je le ferai. Je le ferai clairement. Ok, j'ai l'impression que là, il y a eu un espion qui a fait quelque chose. Là, bingo. Bon, on va ramener la bataille sur le champ. Hein. Je crois que... Ok, pas trop le choix. Bon bah. Ah, saligo. Je vais mener la bataille sur le champ. On se retrouve juste après, bien sûr. Elle est toujours disponible. Hein. En fin de vidéo, la flemme ne. N'excusera pas une baisse de qualité. Allez. Alors. J'ai aucune unité de corps à corps quoi, par ça. Oh là là, c'est pitoyable. Bon, bah voilà. Ça va être tendu les gars, hein. Ça va être tendu. Chevaux de frise, ah oui non, je me disais pour des chevaux de frise, ils sont un peu bizarres. Voilà, hein, quelques pièges à pique, faut pas décoller non plus. Des lits de pierre par là, ça permettra de faire en sorte qu'ils restent dans nos sous le feu des projectiles, si tant est que j'en ai, quelque part. Hop, ici, non. Ça y est, toujours pas, hein, ça veut pas, il y a des jours, quand ça veut pas, voilà. Voilà. Et les renforts, je n'ai aucune idée d'où ils vont venir. Ça, ouais, mon but, ça va être juste d'intercepter les renforts à cheval. Puis on va voir ce que ça donne. Hein. Les archers. Wow, super. Oh, le déploiement de fou. Aïe aïe. Allez, c'est parti, mode garde activé.
Là, je veux casser toutes ces tentes avant l'arrivée des troupes ennemies. Je vais pouvoir me battre dedans au cas où. Ok, les renforts viennent de l'arrière, super. Interception, allez. Bien évidemment, le tracteur escarmouche. Je pense que sur cette largeur, ça devrait le faire. Ok. Ah, vous traînez, les gars. Ils sont extrêmement lourds, mais ils sont lourds quand même, hein, pour d'extrêmement lourds. Hop, voilà, on casse toutes les tentes, hein, c'est un peu l'objectif là. Allez, ils sont pris sans un flèche, zéro Voctime, hein, c'est magnifique. Allez, on recule. Hein. Voilà, ils sont pris des piques, là c'est bien. Oh, faites le tour, ce serait cool. Hop, allez, au contact, au contact, au contact, au contact, les gars. Ah, ils en ont rien à foutre, hein, de mes unités là, hein. Clairement, ils en ont rien à foutre. Ah, les nobles orientaux là, ce serait bien de taper. Ça serait bien de taper sur les nobles orientaux, bien évidemment, hein, pas l'inverse. Là, ils vont corps à corps parce qu'ils sont cons. Je me fais décimer, ouais, de toute façon, ils sont cons. Con pour con, un con ne mérite pas de survivre, voilà. Hein, faut pas déconner non plus. Là, on charge. Un petit coup d'inspiration, un petit coup de Draco. Voilà. Où en est le général ennemi? Il a perdu la moitié de ses troupes. Allez, les gars, par contre, faut tirer des flèches. Hein. Un peu plus de la moitié de ses troupes de perte. Pas mal plus, même. Alors, ça se passe comment ici? Parce qu'il a pas de perte, ça c'est cool. C'est cool pour lui, hein, mais... Hop! Sauf quand tu veux, Didier. Michel, hein, au choix. Hop, là, on va se calmer aussi. Par contre, toi, tu viens vite là-dedans. T'as le général, quoi, qui s'en sort bien, hein, salon. Hein. C'est bon là, non, toujours pas, là, de la cavalerie. Il est pas crevé lui. Vache. Ah, ça c'est bon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Hop. J'active le mode mêlée et je vais casser les frondeurs encore à corps, bien évidemment je coupe hein, le feu à volonté. Ce serait plus pénalisant qu'autre chose. Ici ça donne quoi? Je vais reculer, il sert à rien. Voilà, coucou là et tout. Là c'est quoi ça? Lancier oriental moyen? Ouais. Là ça va fuir, hein. Supériorité numérique. Ça me fonce dessus, attention cependant. Ok, très bien. Allez, on dégage. Tout le monde sur les javelots. Ils veulent bien. On va aller. Bon là, clairement, ils servent à rien. Là. On sort et on refera une charge. Hein, allez. Hop, là on se barre. On va se mettre là. Et on va attendre ces unités-là et on leur dira. Ouh, putain, deux unités de nombre lancier. Guerrier lourd à la hache. Et du guerrier lourd là, c'est pas compliqué. Oh, yeah. C'est pas bon. Allez, tire là-dessus. Voilà, ça fuit. C'est ce qu'il faut. En soi, ils tiennent bien, on se retourne. Hop, tac, ici.
On se retourne ici, on dit feu à volonté les gars. Voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher, même si vous le voulez. Les montagnards, on va les charger un coup. Putain, on ne tirait pas sur eux. Quoi, un mur d'oplite, ouais, c'est pas intéressant. Allez, marche arrière, là il tire bien sur la même unité, ça c'est parfait. Attention, hein, de pas se recevoir, de pas se faire entourer, on coupe le mode escarmouche. Là c'est souvent la merde. Allez, on décale, là il y a quoi, là il y a quoi, là, y a quoi. On réautorise le feu, pas de suite en fait. Pas pendant le déplacement, si, bon. C'est pas la meilleure idée que j'ai eue. Ouais. Allez, on contourne totalement. On a quoi? On a des piquets, on a de la lourde, on a de la légère ici. On va passer un peu trop près. Là, on n'hésite pas à décaler. Voilà, retournez-vous, on vous éclatera. C'est ma devise. Voilà, en plus là ça tire bien dessus, comme il faut. Alors on va reculer quand même parce que là, on a pas envie de se prendre une salve gratuite. Un peu guerrier à la hache par contre, hein, on n'hésite pas à tirer dessus tout le temps. On entoure, là on prie pour qu'ils tiennent au minimum. Allez, on charge là et on retire le mode feu à volonté. Voilà. Mettre voilà, toutes ces unités hein, sur les piquets. Bien évidemment, eux, on laisse pas prendre le point. Faut pas déconner non plus. Enfin, pas prendre la capture. Hein. Ici, on décale. Eux. Ah ouais, putain, il en a oublié un quoi. C'est quoi ils veulent? Bah non, mais bande de pencul, putain. Faut leur bouffer le travail, c'est pareil. Voilà, eux attaquent avant volonté hein, sur les piquets, bien évidemment. Là, ils attendent, ils sont bien, ils sont sages. Quoi? Bah, tu te calmes, en fait. J'ai pas oublié, hein? Non, je suis pas oublié en fait. Ah, mais non, je suis con si tu veux. Voilà, on arrête. Le feu va monter, hop. Et on n'hésite pas à poursuivre maintenant. Voilà, j'ai pas envie qu'il revienne, On continue. Ici, on arrête. Ça poursuit les montagnards et ça poursuit les nobles aussi. Hop, on accélère vite fait. Très bien, d'accord, tout eux, là et vroom, vroom, vroom. On les voit tomber, c'est parfait. Par contre, ils sont vraiment bloqués là, genre d'un coup là ça se oh. C'est quand même un bouchon dans les chiottes quoi, c'est ça bouge et puis d'un coup par contre quand ça débouche et bah ça ça évacue tout d'un coup. Allez, hop, ça devrait suffire. Temps héroïque, très peu de pertes, voilà. Ça me va, ça me va. Et en plus, ils reviendront pas de suite. C'est surtout ça l'important. Pas de bataille manuelle. Pas de suite, pas aujourd'hui. Alors. Oh, ils sont même pas morts. Purée. Bon, bah, ce sont des armées un peu exterminées. Hein. Presque exterminées, autant pour moi. Alliance militaire avec Lusitania. Nous serions heureux de vous compter comme des amis ou plus. En vrai, ça me va. Ça a bien m'aider dans mes quêtes. Lydia. Comment ça?
Ils sont fait bouffer les cons. Vous avez que ça à foutre. Bon bah on va les aider hein. Enfin, on va les aider. Résolution automatique. Hein. Est-ce que je libère Non. Là il se barre. Parfait. Et là on rattaque. Et là ils ont rien à dire. Ah, les voleurs de jour. On rase. Hop, on a dit que c'était du minier ici, c'est parti. Ici il reste quoi? Ouais, ça va, pas grave. Ah ouais, c'est. Oui, c'est pas mal ça hein, ce qu'il fait là. Il a fait un gros trou chez les palmiers. Hein. La vache! Ils sont par là? Bah non, pas. Eh ben. Ouais, en même temps, ils sont beaucoup de front, donc c'est peut-être compliqué pour lui. En parlant de ça, est-ce que nous, on a des soucis de ce côté-là? Pas du tout, parfait. On tient, on tient. On va même un jour prendre à cure. Mais... Un peu... Pour l'instant, c'est pas la priorité. Assassin, assassin, cerdon à quelque chose. Blessé seulement. Ok, là-bas. Lui qui peut me rapporter de l'argent s'il réussit. Ouais, moi, bon, pas rapporter grand-chose. D'argent, de nourriture, pardon. Là on est bien, là on n'est pas bien. On verra ça le tour prochain. Ouais, mais non, on n'a même pas d'argent quoi. Ouais, bon bah, je vais pas avoir trop le choix là, que de dissoudre ces 3 et 4 unités. Ah zut. Voilà, ce qui me fait revenir à, on va dire, un peu d'argent. Oups, justement j'ai dissous le piqué. Oh merde. Oups. Ce qu'on appelle une erreur. En jargon. Communément. Ou alors aussi dit par mince, je voulais pas faire ça. Allez piller. Je crois que j'ai pas trop le choix là. Un petit pillage de temps en temps, ça fait bien. Il est bien en poche. Il est libéré quoi. Mais non. Ah non, c'est ça, j'ai juste vraiment plus du tout de déplacement possible. Moi, c'est pas grave, ça arrive. Mais là du coup, oui, c'est ça que je voulais faire. Sinope, machin, moi tout ça sera du commerce. Est-ce que j'ai quelque chose qui importe du commerce? Tu veux du potier, allez c'est parti. On passe le tour. On se fait attaquer ici. Est-ce que je peux fuir à un bon endroit qui soit moins près de la ville par exemple? Pas du tout. Super. Mission automatique. Bon. Après, il a pas tant de cavalerie que ça. Hein. Vraiment très très peu de cavalerie. Donc je mettrai la bataille sur le champ. Mais ça, ce sera à un autre moment. Je suis désolé les gars, je n'ai pas du tout le temps aujourd'hui. J'espère qu'il y a quand même un bon contenu. Ouais, pas grand chose. Donc ce que je vais faire à la place, hein, c'est que je vais vous laisser la vidéo du combat, de la bataille, et
on se retrouvera demain, je l'espère, hein, pour la suite de cette vidéo. S'il n'y a pas de vidéo demain, je m'en excuse par avance. On verra. Mais je ferai tout pour la sortir tout de même. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu tout de même. On se retrouve demain, je l'espère, pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. C'était Thiob. Ciao.